Hello à tous, c'est Mélo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon réveillon à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de Noël. Je me suis offerte il n'y a pas longtemps une tablette graphique et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu ce que je faisais. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je me suis mise à l'illustration, mais ça me plaît vachement, donc je voulais le partager avec vous. Et du coup, pour ce thème de Noël, il y a Benjamin Serbet sur YouTube, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, qui a proposé un défi donc pour le mois de décembre. Le thème, c'est Noël apocalyptique. Donc on pouvait vraiment travailler sur n'importe quel support est-ce qu'on voulait. Mon but n'est pas spécialement de participer à ce concours, mais au moins ça me donnait une piste pour faire cette vidéo. Donc j'ai créé une petite illustration pour ce Noël, donc je vous la mets en vidéo tout de suite et c'est parti. Donc au début là j'ai commencé donc à la base à faire un croquis. Je vous ai pas montré le croquis parce que c'est ce qui prend un peu le plus de temps et c'est pas forcément voilà le plus intéressant. Donc là je commence à faire toutes les lines, donc j'ai mon croquis en dessous. Comme vous pouvez le voir, que j'ai réduit l'opacité et j'ai fait un calque par-dessus pour repasser toutes les lignes au propre. Donc pour ce thème, vous voyez que j'ai décidé de partir sur un cerf un peu. Vous voyez que j'ai décidé de partir sur une sorte de reine zombie un peu. Et ensuite, je le mettrai dans un décor un peu apocalyptique, mais qui reste quand même un peu un décor naturel pour que ce soit un peu glauque. Donc là, je vais passer aux couleurs. Donc j'ai récupéré une image d'un renne sur Internet pour pouvoir récupérer des couleurs. J'ai récupéré un peu un rouge pour tout ce qui est sang, etc. Donc là, je passe à la couleur. Donc je fais une première base où je fais un aplat de couleurs simple. À la base, j'étais partie sur pas du tout sur cette idée. J'étais partie sur l'idée de faire les Champs-Élysées en fait avec. Le lendemain, on fait un peu de Noël et avec un décor très apocalyptique où des nains avaient un peu pris le contrôle sur la ville et avaient un peu tout détruit, etc. Mais d'un côté, l'idée me plaisait, mais la réalisation ne me plaisait pas trop. Donc finalement, je suis partie sur ce cerf, sur ce renne. J'ai du mal entre le cerf et le renne. Donc voilà, là je passe au pelage en beige comme ça. Si ça se trouve, il y a plein de choses que je fais et il y a des manières plus simples de le faire, mais ça fait pas longtemps que je me suis lancée dans l'illustration, donc si vous avez des petits conseils à me donner, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je profite de ce petit temps mort pour vous dire de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Ça m'aidera à soutenir la chaîne. Donc là, j'ai appliqué un fond rose pour pouvoir voir si tout est bien colorié en fait. Parce que du coup, tout ce qui n'est pas colorié, c'est en transparent et forcément, on voit le fond en dessous. Mais si le fond est blanc, on ne se rend pas forcément compte en fait de s'il y a des petites erreurs ou pas. Ensuite, je mets des fonds de différentes couleurs pour pouvoir gommer ou voir justement s'il y a des erreurs, etc. Là, du coup, je commence à faire les ombres. Et là, c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'avais pas colorié les côtes. Et donc, je fais les côtes et les ombres.
Je pense que c'est la partie que j'ai préférée, mais d'un côté, c'est aussi la partie qui est plus compliquée parce qu'il faut vraiment que toutes les ombres soient cohérentes. Je ne sais même pas si j'ai réussi à être cohérente en fait sur toutes mes ombres, mais c'est quand même une partie qui est très intéressante à faire, je trouve. Donc là, j'ai fait venir la lumière à gauche du cerf. Du renne. Donc là, je fais vraiment toutes les ombres aussi, les ombres qu'il y a dans le cou, les ombres de la tête sur le cou. Et étant donné que la lumière vient de gauche, toute la partie droite de mon cerf est censée être dans l'ombre du coup. Alors là, j'avais à peu près terminé le cerf. J'ai fait quelques retouches qui ne sont pas sur la vidéo parce que je m'en suis rendu compte après au niveau des ombres, etc. Et donc là, pareil, j'avais fait un croquis d'un décor. Et donc je vous ai pas montré la face croquis. Et là, du coup, je commence exactement pareil à faire toutes les lignes. Donc je suis partie un peu sur une forêt sèche en fait, qui est un peu morte, avec que des arbres vides. Ils sont pas forcément morts les arbres, mais en tout cas c'est l'hiver où il y a une ambiance un peu sèche et sans aucune feuille. Donc exactement pareil. Ensuite, je fais des calques avec la couleur. Donc là, la couleur des arbres. Alors là, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y a eu un problème pendant l'enregistrement. Je m'en suis rendu compte que pendant le montage. Donc vous voyez que ça fait un rendu très très bizarre. Donc je vous ai épargné pas mal de la colorisation parce que c'était un peu un chaos. Je pense que c'était compliqué pour mon ordinateur de faire tout à la fois. Donc après, j'ai fait donc tout dans une ambiance un peu extraterrestre. Un peu, je sais pas trop comment dire, donc avec des lumières jaunes, vertes, très fluorescentes. Donc j'ai fait tout le fond, j'ai fait l'herbe, etc. Et ensuite, là, je me suis attaquée aux ombres, entre guillemets, comme si la lumière jaune venait du fond, mais aussi de droite, en fait. Ensuite, je vous ai pas tout montré, mais j'ai rajouté de l'herbe pour que ça fasse un peu plus réel et pour que les arbres soient plantés dans quelque chose, en fait. Et là, du coup, je me suis rendu compte que mon renne, la lumière était inversée, donc je l'ai tout simplement inversée pour que ce soit cohérent au niveau des ombres, etc. Et pareil, j'ai appliqué cette lumière un peu jaune fluorescente sur mon renne. Donc là, je joue beaucoup avec l'opacité pour un rendu assez cohérent. Donc ça, c'est le rendu que j'avais fait au début et en fait en prenant du recul sur mon travail. Donc ça, c'est le premier aperçu que vous avez. Mais après, je me suis rendu compte qu'il manquait des ombres, qu'il y avait des choses qui rendaient un peu bizarre, des choses que j'avais fait en trop, etc. Donc j'ai fini par retoucher un peu. Donc vous allez avoir le résultat final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez que je continue à vous montrer quelques petites illustrations comme ça, vous avez des thèmes, etc. à me proposer, n'hésitez pas à le faire non plus. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous si ça vous a plu. Et si vous avez des conseils à me donner concernant les illustrations, etc., étant donné que je commence tout juste, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous lirai. En tout cas, je vous souhaite encore des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!